je vous laisse en amoureux, moi. Non, mais y a pas d'amour. Y a plus. Y a Dadine, viens. Ta sœur Nastasia, elle t'a dévergondé. Je crois que c'est de famille. Tu peux pas t'empêcher d'aller de baguette en baguette, de rebondir. Et ensuite, tu vas toucher les plus grosses baguettes. Je remballais les mecs. Il faut pas dire ça. Tous les mecs pour toi, je disais, je suis en couple avec Bakary. Non. Oui, mais j'étais pas vu, pas des messages, rien. C'est pour ça, j'ai des doutes. J'étais tout seul, j'avais les chapiteaux dans les lits. J'étais tout seul, c'était dur, vraiment. Je peux pas. Je suis désolé, mais je dois aller voir ailleurs. Excuse-moi. Sérieux? Oh là là, la remise, oh là là. C'est football champagne, c'est football champagne, c'est football champagne, le champagne. Oh, 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 le champagne. On y va. Non, tu veux dire mes Américains? Vous mettez en cross-arm, les gars, allez au repos. Cross-arm. Code B! Non. Code B! Oh putain! Mais c'est qui ce pige qui a envoyé un code B? Mais c'est quoi ça? Un attentat! Mais c'est qui ce pige infiltré sur la Rius TV? J'en ai pas des comme ça en général. Écoutez-moi! Du coup, juste. Le papa de Gotham, c'est un grand marabout qui a beaucoup d'argent. Oui, on a compris, on a entendu. Victor, ça fait les ramènes et vous fermez la petite gros. Union. Maintenant, avant d'aller au dortoir ce soir, vous me suivez, je vais vous cacher dans une pièce et on va pouvoir sortir. D'accord. Ah, je suis pas gros. Allez, va au petit déjeuner, t'attends que ça depuis tout à l'heure. Mes amis me disent que j'ai un bête de son parce que c'est une Logitech. Ah ouais, bah non, ils t'ont menti. Ou alors c'est sur TeamSpeak ou ailleurs que Discord que t'as un bon son, mais. Ok. Mais pas sur Discord. Je vais essayer de pas trop parler pendant la game alors. Mais par contre, tu peux peut-être essayer un truc. Je suis pas sûr que ça marche, mais tout en bas là, à côté de des connexions. Il y a réduction de bruit. Réduction du bruit optimisé par Crisp. Mais ça peut-être. Bah ouais, ça va être un mec qui a pas de thunes et qui s'est pas acheté le meuble. Mais non, c'est bon là, les gars. Il doit être dans son salon. Ah, c'est un truc d'aide. C'est ça, non, Hunter? Ouais, je suis dans une pièce assez grande. En fait, j'ai une grande chambre. Voilà, t'as vu? Putain, ma tête. Majordome banquier, mais non. Moment? Qu'est-ce qu'il fout là? Mais qu'est-ce qu'il fout là? La même tête? Non mais sérieux les gars, on est d'accord? China number one! Take it easy, dude! Mais la femme que tu as trouvée là, tu as trouvé une copine, c'est vrai? Oui, mais elle a 7 ans. Mais j'ai pas grave, je vais attendre qu'elle ait plus. Oui, tu peux faire ça, je connais quelqu'un qui attend, qui fait mûrir vraiment. La femme, et après les biens à maturité. C'est-à-dire à l'âge de 16 ans, oui. On peut prendre, c'est bon. Ouais. Bah en même temps, si tu la prends si jeune, tu peux l'acheter à moitié prix. Ouais. C'est moins cher. On va manger. On est vache. Et du coup, t'as quel âge, sinon? J'ai 19 ans. Ah bah, j'ai 20 ans, donc... Enchanté d'être avec. Non, mais les gars, ça va, c'est pas mon truc. Non, c'est simplement une info, je demande une info. Bien respect, mon capitaine, je sais pas ce que vous êtes. Et c'est une créature qui s'amuse à attirer les voyageurs perdus. Il nous entend à travers les murs. Et donc, il est pas à travers le mur. Il est possédé. Du coup, il est dépossédé ou quoi? Il est genouné, Grégorus. Mais vu que je suis toujours nouvelle encore, j'essaye, mais je prends vachement les choses à cœur et. Sur internet, faut pas. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment. Ah bah, tu vas voir là les trucs. Hein. En plus, toi, t'es une meuf, donc tu vas prendre doublement plus cher. Ouais. Bon, après, tu sais, je suis célibataire. Hein. C'est pas très grave. Elle va prendre doublement plus cher dans le sens. Il y a trop de fils de puterie sur. Ouais, dans ce sens-là, il y a des gens mal intentionnés. Ouais, c'est vrai. J'avais pas du tout compris ça. Pardon. Non, s'il vous plaît. Shabbat shalom, monsieur. Mais qui dit ce sont des amis que j'ai croisés dans la rue, les gars. Ce sont des sans-abri. Laissez-les.
Attendez, vous déjà... Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Laissez-les. Bougez pas, je vous abat. Allez. Mais pourquoi? Oh, suce-boule! Suce-boule, c'est où, Arsimi? Arrête de m'appeler. Etc. Genre, j'ai branlé ta bite dans des barbelés ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que je donnerais pas à cette heure-là pour bouffer un cul, hein? Regarde en haut à gauche. Quoi? Puis que t'es juif, puis que t'es allemand, puis que t'es français. Donc à un moment, faudra faire un choix. C'est quoi ça? Allez. Je suis libéré! C'est la milice juive! Tu vas crever! Qu'on brûle son corps tout de suite! Très bien, en plein. Alors, de mon point de vue, en sud 160. Non, ça va tout droit, vous avez des rochers et des arbres. Je veux que vous alliez tout au fond, en franchissant chaque obstacle. Donc, vous, si c'est des rochers, vous sautez, si c'est des arbres, vous contournez, vous êtes pas bête, et vous revenez ici en reformant la tête de flèche sur ma position. Vous faites un grand aller-retour, en courant. Prépucius, rétractum! Attention au tournant. Est-ce que les ordonner la tête de flèche pour l'aller? On n'a pas. On a pas donné le go? On a pas donné le go. Allez, oui, mais... Jamel. Oui. Tout le monde revient. Je pensais qu'il fallait y aller direct. Vous revenez tous. Allez. Je vous laisse 3 essais. Donc vous allez faire comme ceci, sans le point devant. Si c'est au-dessus, s'il y en a un seul au-dessus de 50, je vous donne 200. Oh. Oh merde, il a 7. 3 essais, donc il vous en reste 2. Attends, je vous montre, merde. Aucun. Oh non, 17. Yes, 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 oui, yes, 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 yes. Araboule, araboulé. C'est bien. Merci, 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 vous êtes gentil. Yes, dans la gueule du chauve, la... dans la gueule du chauve, c'est moi qui ai le chauve. Putain, occupe-toi d'eux, je te dirai quoi. Hop. Il est parti en salto arrière, frérot. C'est comme ça que vous coupez les buissons. Laissez-moi mon intérieur. Pardon. C'est toujours moi qui dirige ou pas du tout? Mais laissez diriger le pige là. Je t'entends parler, ce putain de rage. Il a l'air chaud. Okay, il y va, je veux t'entendre gueuler. Si je t'entends pas, gueuler, je veux te gueuler. Je peux pas gueuler, y'a mes parents qui dorment. Ok, pas gueuler, mais au moins impose-toi. Impose-toi. Genre, ouais, la journée je peux gueuler si tu veux. Genre là en fait ça commence. Le pauvre. Je l'ai déjà dit. Le pauvre. Donc, allez, dépêche. Venez. Asseyez-vous sur le banc. Je le connais. Alors, on peut pas qualifier de suceur, monsieur Makoussa, les élèves qui prennent au sérieux leur scolarité, contrairement à vous ou à votre collègue. Si tu as besoin d'aide pour l'écriture, je dis par là, c'est qu'il abuse un peu, vraiment. Il est tout le temps à la lèche. Il lèche beaucoup les profs, tout ça. C'est un délégué, certes, mais il lèche trop. Il a des problèmes et qu'il doit compenser. Vous voyez bien que... Oui, mais ça, je vois bien qu'il est overfat, ouais. Il a rigolé. Ok. Extraction pour moi de mon côté, histoire que vous ayez un angle de vue pour mieux lui tirer. Il faut vraiment des munitions par contre. On a le droit à combien de repas? Pour vous, Bah y'en a 10 pour le régime. On peut augmenter le nombre de repas là. Allez, bâtard! Allez, les serpents, on va! Disons boulanger. Je suis monsieur Carmouche. Je suis devant, pas à l'intérieur. Ah, médecin, attendez, Sonny, je vais être bureau de quoi? Petit chien, s'il vous plaît, le pauvre. Il y a le bureau du clair, il y a le blessé. Je vais pas le savoir, car. Mais non, mais c'est sérieux. C'est moi qui suis le fureur et personne d'autre, voyez-vous. Mais non, il est là-bas, mais non, mais non. Mais c'est des baisers, il est là-dedans. Je veux pas rentrer là-dedans. On peut pas rentrer, attends, il faut le tuer, non, il faut le tuer. Oh, il fait rien, il est nul en fait, il est nul, c'est impossible que je loose les gars. Impossible que je loose ce deuxième. Impossible. Pablo Sarabia. Appliquez la procédure. Appliquez la procédure. Procédure, monsieur, appliquez. Non, les gars, s'il vous plaît, nous sommes des cuisiniers, nous avons été monsieur, envoyés. On applique la procédure. Non, n'appliquez pas la procédure, je vous prie. La procédure, parlez. Vas-y, mets-toi à l'aise. Hein. Applique la procédure. Monsieur... Oh, du chou, je vais vous abattre, monsieur le. Oh. J'ai un plat, je veux l'empoisonner, vous allez crever!
et nous tutons là, c'est des malades en même temps. Vas-y, venez. Vous attendez, vous me faites 10 pompes, messieurs, et vous testez vos règles d'or. Règles d'or, les gars. Merde, des règles d'or, les gars. Allez, messieurs, on fait 10 pompes et vous me récitez vos 3 règles d'or. Des pompes, attendez. Allez. Ne jamais tirer sur, jamais utiliser sur un supérieur. Un membre supérieur. Ne jamais effectuer d'acte suicidaire. Ne jamais effectuer d'acte suicidaire, même, même si. Une mission suicidaire, même sous l'ordre d'un supérieur. Une mission suicidaire, même sous l'ordre d'un supérieur. Allez, suis-le, caporal, tu fais tes pompes et tu récites tes règles d'or. Mais justement, concernant le barman, on a quelque chose à vous dire. C'est pas qu'un barman, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas qu'un barman, oui. C'est une personne qui a les tagliatelles normalement près de la tête. Qu'a une sorte de petite coupole posée sur le crâne, vous voyez ce que je veux dire? Qu'a le petit bout coupé et tout ça. La vérité, je vais le dire. Bah, elle est juif. Oui. Mais n'importe quoi. Nous sommes trois, il y a trois témoins, on l'a vu. C'est lui, le juif. C'est pas du beau travail. Ouais, c'est du beau travail, ça, allez-y. Ça, c'est efficace. On change, on essaye de n'avoir pas beaucoup d'effectifs dans les camps. Voilà, bon, on y va, les gars, on va travailler maintenant. Dans ce genre de cas, là, faut pas trop chercher à tergiverser. Oh, attention! Mais putain! C'est une merde! Il arrive! Non. Tuez-le! Allez-y! Il est tout seul! Là, Bouge pas! C'est nous les chefs maintenant! On le tue? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bouge pas, t'as dit bouge pas, on te vide! Bouge pas, si tu bouges, on te tire! C'est coup d'état! C'est bon, il est mort le chef! Yallah, Allah! Il est mort le chef! Du coup, normalement tout le monde peut parler dans le chat. Merci beaucoup, on était sur CSGO juste avant. Et pourquoi? On nous a envoyés ici pour. Je suis ingénieur génie civil, je suis avec mes ouvriers. Nous avons été envoyés ici pour couler une dalle et s'occuper justement de la toiture. Apparemment, il y aurait un défaut, nous avons été dépêchés, s'il vous plaît, sur les lieux. Vous avez vu le niveau de statut social? Vous savez que vous avez un peu des passeports juifs, juste comme ça. C'est ce que je viens de voir. Trouve un truc, Harry. Non, mais c'est une erreur, c'est pour ça qu'on vient à la préfecture, parce qu'il faut faire changer. Je suis pas juif. Il glisse ce ballon en profondeur. Allez, pourquoi pas l'égalisation? Oh là 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 là! De partout, let's go! Pas traîner! On revoit la contre-attaque qui amène le but. Auto rentrant. Est-ce que t'es faible mentalement? Non, ou est-ce je que ne suis pas faible, je suis un homme bon. À bois là. Ok, et pourquoi tu t'es arrêté quand je t'ai traité de chien? C'est parce que je suis un bon chien, ouf, je suis un bon chien. Voilà. Je suis un bon chien, voilà. J'écoute les ordres. T'es pas un bon chien, un t'es quoi soldat. Comme chien? T'es un chihuahua de merde, t'es un pug ou un petit chihuahua, un bulldog, ou un berger allemand? Non, je suis un berger allemand, j'ai des crocs. J'ai des crocs et je suis pas un. T'es je suis un putain de bulldog, t'as faim, tu la dalle. Derrière vous, vous allez tout droit et vous longez les murs. Vous allez vous racheter. Mais respect, mon chien. Tu vois, il a pas grillé que j'étais juif. Je crois que c'est pas ici, hein. Il était en train de dire que c'était pas ici. Ah, je crois voilà. Doucement, le chien, je veux pas juif. Je veux pas juif. Vous avez 5 secondes pour sortir d'ici. D'accord, très bien, on va sortir. Oui, pardon, suivez-moi, Patrice, c'est par là. Pourquoi tu tapes le chien? Je veux pas juif, le chien. Mais. Voilà, c'est ça que je veux entendre. Je veux des putains d'hommes avec des grosses paires de couilles. J'ai des grosses paires de couilles de chien. J'ai des enragés qui veulent la mort à la séparatiste. Quand je vais croiser une dalmatienne, je vais la baiser. J'ai des grosses couilles de chien, je suis un bon chien. Voilà, je baise la dalmatienne de la vieille. T'es un putain de chien, t'es un putain de bulldog enragé, tu baves du sang. Je baise tous les téquets dans la rue quand je les croise avec leur vieille. Neymar. Il s'échappe. Vas-y mon petit Danilo. Let's go les gars, 3-2. Ils étaient là. Alors, je n'ai pas dit que j'allais gagner ce match. Et voilà en tête dans cette partie. D'accord, je suis son ouvrier les gars, je dois quand même vérifier, je suis son supérieur. Attendez, bougez. Je vous montre mon passeport, voilà. On doit savoir ce qu'il en est. Allez, bouge. Mais je suis pas juif, la vérité, bordel de merde, qu'est-ce que tu crois? Rentrez dans cette pièce, monsieur. Monsieur, il passe son temps, moi j'ai des fêtes. Je montre les papiers, je dois absolument assister à son exécution aussi, hein, parce que je perds la nourriture. Comment ça, regardez, je fais le signe. Merde. Est-ce que j'ai une tête de. Regardez, allez, tantôt sur le tableau. Mouah, un bisou, allez, yalla, on y va. Oh. C'est bon. Il n'est pas juif. Il a dit yalla. Eh ben, toi, t'as pas fait des signes. T'as pas fait des signes. On n'en fait pas. Si, regarde, je le fais tous les jours, toute la journée, regarde. Je peux jouer. Les femmes talibanes, y'en a marre. On nous amène sur le champ de bataille, on prend les caddies et on s'explose. J'y vais pas ça.
J'ai vu une femme qui s'émancipe, qui porte des mini-jupes, qui écoute du BTS. Comme une petite pute. Je veux vivre American Dream. Laissez-moi m'épiler la chatte avec du laser américain, s'il vous plaît. Bon allez, arrête tes conneries. Arrête tes conneries, putain. Qu'est-ce que tu fais? C'est bon, il vous met des cœurs. Allez, décroche, mère, maintenant. Et ça, c'est partenaire. C'est partenaire, c'est ouf, les gars. Comment ça peut être partenaire? J'y crois pas. J'ai pépli, il est en moi. T'as l'alpha bien. Voilà, je peux pas rester comme ça. Je voudrais convertir en américain et vivre l'amour de l'American Dream. Il va me tenir la main, il va m'emmener à Disney World. Et je vais mettre mon burkini à la plage. Ami, ami. Hein? Mais ils ont pas... Mais... Quoi? Bougez tous. Grenadier, enculé. Mais ils vont nous lancer. J'ai mal, j'ai pris une balle dans le corps. Mais non, mais c'est sérieux? Mais ils sont sérieux? J'ai rien compris. Mais moi, ils m'ont brûlé. Moi aussi, je suis mort. Bon, venez, moi. Restez-nous, on va rejoindre la... Non, mais c'est malade.